premier. Ça y est, oh, on putain. Est à la ferme. Nous sommes à la ferme. Oh là là. Oh putain, il y a un mec. Vas-y, cache la. C'est où là? Ah ouais, j'avais oublié ce gros truc EDF. Ah ouais, c'était là où on s'était garé la dernière fois. On peut se garer plus bas, je crois, non? Ouais. Bah ouais, après t'as la forêt. On va même se garer au moulin. Ah, chaud le moulin. On vient de passer le dernier câble téléphonique, ça y est, on est perdu. Allez, ça au revoir. Là, c'est le drame. Et j'ai encore une barre. Ah non, il y est encore là. Ils ont remis l'électricité là-bas en fait. Oh mon dieu. Je sais pas si t'étais pas là quand c'était garé. Qu'il fallait se garer. On va se garer là. Après on va descendre dans leur dans la grange où ils épousent leur enfant. Ok, donc cette vidéo c'est spécial pour l'équipe du NGI. Je suis parti en repérage, il y a mon cousin à côté de moi là. Peut-être la dernière, ouais. On se trouve dans la première maison du village abandonné, donc on va essayer de choper des petits résultats et après je ferai mon petit débriefing à la team du NGI et c'est parti! Alors d'après la légende, il y avait plein d'animaux ici, donc de plusieurs familles différentes. Et tous les animaux de toutes les familles ont été tués, sauf d'une famille. Et le fermier a été pendu parce qu'il croyait que, les autres villageois croyaient que c'était lui qui avait empoisonné les animaux. Et tu sais où il a été pendu, si ça a été au moulin? Non, tu sais non, pas. Non, je sais pas du tout ça. Mais après c'est une légende. Hein. Cool. Là on fait quand pour descendre, t'as pris une escalier. Il y a un truc là-haut, non? Hein? Il y a un truc là-haut. Ah ouais, il y a un grenier. Non, il y a un truc là-haut. Donc on se trouve dans une genre de cave bizarre. Ah, il y a du squat ici. On est là, la fenêtre. Ça a squatté un peu. Oh, il y a la rivière qui passe en dessous.
C'est à mon lit. Faites très attention où vous mettez les pieds. Oh, gaffe, Luc. Wow. Non, mais ça, fais gaffe où tu marches. Hein. Je pense que c'est très bien. Oh, il y a un truc en bas. Donc là, en fait, on se retrouve au moulin où, en fait, mon zin, il a vécu ici. C'était ta maison. Ouais. Et là, il y a une pièce de l'autre côté, on dirait. Ouais, on peut y accéder de l'autre côté. Là, on se trouve dans l'ancienne chambre de tes parents, ouais. Cette classe. Ouais, t'es super, le lit, t'es là. T'es pas né, toi. Maman me l'a dit. Ah, parce qu'elle écoutait des bruits dans toi, tu t'en souviens? Non. Du tout? J'avais 6 ans. Moi, j'étais pas né. Si j'avais un an. Non, j'entendais des bruits dans les escaliers qui se trouvaient là-bas au fond. En plein milieu, tu demandes ce qu'il fait là. Bon, alors on se trouve dans le moulin. Donc ce qu'on va faire, j'ai la spirit box, il n'y a aucune fréquence radio qui passe, on vient de la tester. On entend des bruits bizarres ici. Preuve par zin, en plus qui est un peu sceptique. Et du coup, on va essayer de capter des voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quel est votre nom? Eudes. Pouvez-vous faire un bruit? Taper contre un mur, sur le sol, bouger un objet.
Bon, du coup, on a fait un petit tour, quelques séances. Donc l'équipe du NGI, je pense qu'on a eu du résultat. Pour ma part, niveau ressenti, ça allait à peu près. Mis à part quelques bruits bizarres que on n'a pas réussi à expliquer. Et sinon, je pense à la Spiritbox, on a du résultat. Détecteur EMF, rien de prévu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Allez, bisous. Voilà, on est Keblo et j'ai plus de batterie en plus sur celle-là. Super, on est enfermé avec plein de cassos, oh mon dieu. Vas-y, mais en plus il ton bouge 4x4, pas. Mais il se casse. Non, mais le mec il se casse. Il va chercher le fusil, vous faisiez quoi? On va crever. Il court. Il est parti en courant là. Oui. Oh putain, mais arrête, ils vont tous nous buter. Ah non, il doit avoir... Mais l'autre c'est une pute. Ça y est, on arrive à avoir la liberté. C'est ça, Castro. On se tire. On se tire. Tu te gares. Il a été trop cul. Bienvenue dans une ferme Glock. Avec que des consanguins. Allez. Mon dieu. Vite. On se casse. Tu te gares. J'ai flippé. Ah non, le tien, juste à côté. Mon dieu. C'est bad. Ah, il me tient en train d'un chemin, c'est digne d'un film d'horreur. C'est grave, tu rigolais moi en fait. Ouais, moi, mais ça mais fait t'imagines en pleine nuit s'ils se garent comme ça les bâtards? Bah, t'es baisé. T'es baisé, ouais. Je sais où tu en es, pas encore. Surtout que les mecs en pleine nuit, si tu tapes un peu des films, moi je pars en courant, mais dans l'autre sens.